Au XIXe siècle, le chemin de fer était l'un des symboles de la modernisation. Savez-vous que Taïwan a inauguré sa première voie ferrée en 1893, et ce, grâce à un certain Liu Mingchuan, considéré comme l'architecte de la modernisation de l'île. Né à Hefei dans l'est de la Chine, Liu fut premier gouverneur de la province de Taïwan. Durant son mandat de 1885 et 1891, il a travaillé diligemment et modernisé l'île sous plusieurs aspects. La lampe, les bains publics, les écoles, bref, tout ce qu'il a eu dans sa tête, il a tenté de les réaliser. Grand amateur du train, il a lancé le chemin de fer en 1887 et après 6 ans de travaux, environ 100 km de cette voie reliait Jilong et Hsinchu en passant par Taipei. Et les premiers tickets de train étaient comme ça, car la Poste de Taïwan, une autre initiative de Liu, n'a pas connu du succès. Et les timbres commandés spécialement auprès d'un fabricant anglais ont dû changer de fonction pour servir de tickets de train.